Bonjour mesdames et messieurs, nous allons vous présenter comment déterminer la distance focale d'une lentille convergente. Alors grâce à une lampe, un objet, une lentille convergente et un écran. Sur un axe gradué, on a placé une lampe à 0, à 0. L'objet, on l'a mis à 10 cm de la lampe. La lentille convergente, on l'a mis à 23 cm de la lampe. Et l'écran, on l'a placé à 32 cm de la lampe. Il y a une pile qui alimente cette source lumineuse. Avec cette lumière traverse l'objet, qui passe aussi par la lentille convergente et qui fait un point, une image sur l'écran qui est inversée mais réelle. Voici l'axe gradué qui est juste là, qu'on a retracé au tableau avec la lampe, l'objet, la lentille et l'écran. Bien à 10, 23, 32, comme je vous ai dit tout à l'heure. La lentille devient l'origine du repère. Donc, si on se déplace à A, ça va devenir moins 13. Et si on se déplace vers A, A', ça va devenir OA' égale 9 cm. Pour calculer OF', nous avons besoin de cette formule. Donc, ça fait 1 sur OF' qui est égal à 1 sur OA' moins 1 sur OA. Donc qui est égal à 1 sur OF' qui est égal à 1 sur 9 qui est le résultat de OA' moins 1 sur moins 13 qui est le résultat de OA qui est égal à environ 0,2. Donc OF' égale 1 sur 0,2, donc OF' est égal à environ 5 cm. Avec l'expérience réalisée, le résultat qu'on a trouvé est de 5 cm. Donc la distance focale de cette lentille convergente obtient un résultat de 5 cm.